Voilà, bingo. Moustique, ça va ou quoi? Alors bon. venez, je vais vous montrer ce qui se passe là. Alors là, on a mes deux potes, Valentin et Mathis, qui sont là. Donc ils sont carrossiers de l'extrême. Ok. Et aujourd'hui, on va faire une petite folie avec ce 106. Donc ma 106. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo où on a testé dans les bois, on allait vous préparer un petit projet avec celle-ci. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça avec, avec moi. On va faire ça étape par étape. On se retrouve tout de suite pour la suite. Alors là, ils enlèvent tout ce qu'il y a dedans. T'as même pas lavé la voiture, Martin. Oh, oh là 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 là. Ça, c'est collector, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le logo Peugeot. Ah ouais. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bricoles? Là, on démonte tout l'intérieur pour tout. Pour enlever le maximum de merde pour plus facilement. Ok. Donc là, le bazar du coffre, c'était enlevé. La banquette est enlevée et à Martin, le chef des travaux finis. Moi, j'observe les gars, c'est pas mon métier là. Là, je suis. T'es dépassé par les événements. Je suis en mode observation là. Ça va vite quand même. Ouais, ça démonte à toute allure si jamais. Hein. Là, ils sont acharnés. Là. Ils la défoncent la caisse. Ramenez vos voitures volées, en 5 minutes elles sont démontées. Voilà. Hein. Ouais, c'est bon, stop le démontage. Voilà. La loupiote, elle marche encore. Hein. Système D. Oh là, c'est vraiment la fin d'haricots. Eh, là, c'est encore neuf. Oh lolo. On enlève les ceintures avant ou quoi? Hein? Les ceintures avant. On enlève les. Hein. Ouais, enlève les, de toute façon, ça aura plus trop d'utilité. Hein. Au pire, on coupe ça. T'as pas coupé ça au pire? Ouais. Je vais couper ça, ça sera mieux. Je vais avoir un truc qui. Attends, je vais couper la transmine. Pas mal, mec, c'est ta nouvelle voiture. Ouais, c'est la voiture à Matisse. 4L, là. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? À ne pas reproduire hein, chez vous. Ça va gicler? Tu sais quel tracteur? Faut bien que je puisse tout y balayer. Ouais, mais ça se balaye bien. Ok, ça roule. C'est bon? Ah bon. Ah, ça c'est pour marquer ça. Ouais. On n'a pas de marqueur, les mecs, si jamais. Donc. Le moyen du bord. Hein. Il est comme ça? Ouais. Sublime. Marque-toi aussi. Tu fais comment? Tu vas en piquer? Ça va faire pile, ça se trouve, avec la trappe. Comme ça? Ah, non, au pire, tu coupes jusque là et tu laisses ça. Comme ça, ça reste costaud, mais on coupe tout, on a le décapotable quand même. Ouais, tu fais un toit ouvrant quoi. Ouais, c'est ça. Un toit maxi ouvrant. Il y aura plus l'antenne du coup. T'es ici, t'inquiète, on va te laisser la radio. Ah ouais! J'aime. Martin, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais de beau? Là, je suis en train de changer le disque. Parce que si jamais c'est la tronçonneuse du taf, les gars, que j'ai emprunté. Tac! Sublime. Si c'était pas le bon disque? Ouais, bah ça, c'est le disque pour couper le béton, donc. Ah ouais, non, pas top. Et là, on a mis un disque ferraille. Passé par le taf aussi. Sympa le taf, hein? Sympa, hein. Ça, voilà quoi. Là on était sur une petite problématique, c'était quoi Martin? C'était par rapport au bouchon de réservoir, on voulait pas le percer, mais on va essayer si normalement au dessus ça passe. Tout ce qui est pas. Donc c'est parti hein. On se barre
au soleil. Laissez-moi passer que je me place au sommet. Lai 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 lai. Sur la côte la semaine, de ce que j'ai consommé, là j'ai plus trop sommeil. Lai 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 lai. Vuitton sous la semelle, j'ai du mérite même si je récolte ce que t'as semé. Lai 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 lai. Et quoi que, on va. Moi, juste pour le délire, prends les charnières, on fait comme si les rangs, tu peux l'incliner. Ouais, c'est bien stylé, mon gars. Tu veux vis sur le pare-choc, quand même. Alors là, on attaque la partie du haut. Après là, ce soir, je reste en dehors. Là, j'ai aucun remords. Je prendrai plus jamais de pour les autres. À ne vraiment pas reproduire. Hein. Ouais ouais, je donnerai pas la patte. Ouais ouais, t'as du bif, elle te colle. C'est pas ta collègue, wesh on la connaît. Y'a que la mif qui m'épaule. Faut faire des dollars, juste pas les mollets. Qu'est-ce qui s'est passé, Martin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'auto elle est en feu, hein. Elle s'enflamme. Comme Lexi, il faudra qu'on explique pourquoi tu fais le next beat. Tu m'écouteras même si je peux cramer le CMC. Tout est chiant, ce gars. Il y a un renfort au milieu. Costaud, l'auto. Bon, on remarquera la découpe de Martin. Hein. On voit qu'il a fait une soirée hier. Arrête, j'ai pas fini. Il y a deux traits. On voit le deuxième, il est propre. Non, non, ça enlève tout seul. Attends, c'est où ça encore? C'est là. Mets un coup là. Je vais mettre un coup là, deux coups. Deux coups, là, c'est des renforts ici. Et voilà! Et voilà! Chez l'on jette pas l'auto. Ça biche trop si jamais. Là c'est Flo, hein. Ouais, c'est bien mort encore. Deux cartouches expansives, des vis auto-perforantes. Où c'est que c'est ça encore? Maintenant. Ah, ça doit être là la cartouche expansive, dans la tuyauterie. Alors là, on est pas mal barré. C'est plus vers les silicones et tout, là-bas. Bon, appelle, demande au Gadjo. Voilà, là, on a tout acheté, c'est dans le derrière du camion et on revient sur le lieu du crime. Sur le lieu de l'affaire. Tu penses qu'ils ont avancé? Oh, j'espère! Sinon, ça va chier! Oh lolo, il y a là dans mon activité là-bas! Non, je déconne. Non, non, c'est les potos, hein. Je pense qu'ils ont avancé! C'est des bons, hein. C'est des professionnels! Éteins Zuni la radio! C'est des professionnels! JP! C'est un boss, mec! Ah, je suis mort! Oh là là, oh là là, il n'y a plus de siège là. Avouez que vous êtes surpris de notre rapidité. C'est quoi ces sièges de merde? Ah, alors il est 16h, Martin fais nous un petit point de la situation. Ok, j'arrive, bouge pas. Parce qu'on a eu un gros problème avec le moteur. Alors, nous avons donc découpé l'auto. C'est magnifique si jamais. On a échangé les sièges avec mon pote Valentin. Parce que j'avais des sièges de compétition, du coup il les a récupérés. Moi j'ai rien à foutre de la bagnole. Et là on a eu un gros souci en fait. On a coupé le toit, et dès qu'on a coupé le toit, l'auto démarrait plus. Ah. Donc, on s'est dit voilà, on a coupé un fil tout, sauf que ça paraît bizarre parce que bah, sur le toit c'est pas le fil qui va faire marcher la bagnole. Bref, on a pinaillé, on a regardé les fusibles, ça allait, ils allaient à peu près tous. Après on a démonté les relais, on a tout regardé, tout allait bien. Et en fait on a regardé les fusibles intérieurs et il y en a un qui était cramé. Qui avait sauté. Du coup on l'a changé, la voiture démarre. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était à sec depuis longtemps, donc là elle broute en fait parce qu'il y a de la merde dans le réservoir. Donc okay. Faut juste qu'elle se réhabitue un peu, qu'elle se repasse, mais si jamais elle tourne impeccable. Elle tourne bien en effet. Là on va finir tout ça, là on est dans la phase finale, vous voyez, on cache tout ça, on cache tous les. Là tu remboîtes du coup. On met les panneaux de porte.
Voilà. Après, on va tout cacher parce que là, il y a des endroits où ça coupe. On va tout cacher pour pas se couper, mettre la bâche. Là, on a acheté des mousses comme ça, regardez. On a fait ça bien, si tu veux. Acheter des petites mousses pour mettre. Mousse du trampoline. Là, ici. Donc, pour pas se couper aussi. Il y a une là, non ? Peut-être une là, si on en a en rab. Et ensuite, on met la bâche, on remplit, et là, attention. Là, tu nous assures le. Qu'est-ce que tu nous fais de beau ? Alors là, on assure la sécurité des passagers pour que personne ne se coupe. Attends. Oh là là ! Oh là là ! Erreur fatale ! Et voilà. C'est beau, hein ? Ça colle sur les mains ou quoi, ça ? Ouais, un peu. Ah, un peu beaucoup, même. Parce que sinon, j'suis taloché. Bah, avec ta chute de bois. Insertion de la planche. Elle va être un peu trop grande, non ? Non, ça va faire pile. C'est pour sauver un peu. C'est bon ? Les ceintures, on aurait dû les enlever depuis le départ. Hein. Non. On laisse comme ça. Bah, c'est pas mal. Là. C'est bien, ouais. Et est-ce qu'on laisse cette hauteur ? Ouais, bah ouais. Bah oui, c'est pas mal. Hein. Ah, on rattrape les sièges. Putain, mais les sièges, ça va même caler le bordel. Enfin, non, ça va pas faire. Faut qu'on y visse en bas. Ouais, mais les sièges, on les avance. Tu vises en travers ? Tu vises dans la caisse ? Ouais. Ah, faut fixer parce que nous, on s'en fout ça. Faut qu'on vise dans la caisse. Mais va voir. Ah, ouais, ça se joue, j'y sais. Regarde, faut mettre une équerre là. Vous êtes déjà mal à l'école ? La poussée d'Archimède. Faut être Dieu, ça les gamins. Ça va faire. Vas-y, alors on là, sait que nous en sommes. Vas-y. Nous en sommes à la phase finale, grâce à notre nouveau employé JP. Que vous connaissez tous. Non, là, on a bientôt fini. On est en train de fixer le coffre parce que l'eau, bah, ça pousse, donc faut pas que ça s'ouvre, quoi. Et on a plus que la bâche à mettre. Vous voyez, on a fait une petite installation, séparation. On a plus que la bâche à mettre, remplir d'eau et attendre les mannequins pour la phase finale. Ouais, ce serait bien parce que là le temps il commence à se gâter. Le hein. temps commence à briller, hein. Là-haut c'est pas beau. Hein. Donc, mais bon, ça va le faire. Tu es où t'as l'école ? Non mais Martin, t'as arrêté le projet ou quoi ? On ne va pas faire du vélo. Oh, là, c'est l'overboost ? Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Ouais! Oh là là! Je serais vous, je l'aurais pas mis de ce côté-là, hein! Ah oui, tournez là! Tournez là! Ah! A few moments later. Suite à un petit problème de bâche, on a dû créer un petit plancher. C'est, enfin, c'est en cours. Vas-y. Là, ça va forcer. Ouais, ouais. Vas-y, monte dessus. Hein. Là, faut qu'on coupe. Là, il y a les vis dessus. C'est là, là. Faut qu'on mette une entaille comme ça. De ton côté, c'est bon, Jip ? Ouais, pareil. C'est pareil. Voilà. C'est quoi qui là-bas ? Non, encore ? Pareil dans l'angle. Voilà, cette fois, c'est la bonne. Ah, si. Sublime. Alors là, c'est vraiment sublime, par contre, si jamais. Bah allez, y'a plus qu'à tester hein. Ah, c'est beau. Qu'à mettre la bâche et remplir hein. Exactement. Allez gaz. C'est clair, attends. Ouf. Ouais. Non. Pas mieux que c'était. C'est quoi ? Non, c'est mieux dessous. C'est pas mieux que c'était ? Ouais, on verra. Arrête de faire le con, t'es mort. Sinon, tête t'es de mort. Sinon t'es mort. Allez gaz. Gasoil. Ah là ça prend forme là. Mais on prend ça où, là faut qu'elle aille au fond, au sommet là. Ouais comme ça on a vie. A few moments later. Yes. Bon la bâche qu'on avait prise était pas bonne, du coup là. On a pris une bâche bien épaisse. Faut la retourner. Ah.
Oui, bah là, ça devrait être bon, là. Bien, on fait un covering. On pose un covering. Vous tenez bien, les moustiques, là? Non. Faut pas qu'elle fasse de plus. Lève la balle, lève la balle. Ça commence à donner quelque chose là. Il n'y a plus trop de soleil là, Coco, là. C'est la fin de la journée. Putain, là, c'est vraiment beau là. Non, celle-là, c'est le lavage de camion, ça, ça prend la merde. Oui. Ça, c'est la classe. Mais. Il faudrait qu'on tienne la mesure quand ça remplit. Pas moyen qu'il y ait moins de plis là. On fout des plis. Tu fous de tout. Pas grave, toi, tu t'en fous de tout, toi. Couper la planche, mais dire un coup de pied. Sous ta pied loin de ça. C'est bon là? Allez. Je peux ouvrir s'il te plaît, mon ami. On le reste de la bâche d'eau. La mise en eau, ouais, après on coupera. Ouais, il faudrait qu'on la visse dans le bois. Ah ouais. Ouais, donc tu la visses même avec la carrosserie. Ouais, tout le tour. Tu visse partout autour. Puis après, ça t'as, t'as pas des rivets sinon? Oui. Si. Tu mets des rivets dedans. Ok, la mise en eau arrive. Là, ça ouate là. T'es à fond, Yag? Non. Faut qu'on mette à fond. Là y'a trop de barrières. J'écoute leur musique, c'est pas trop varié. Je suis pas du son pour faire craquer les petites lycées. Bon, malgré qu'il fait pas beau, Martin, projet fini. Là, petite piscine. Ah ouais, y'a toute l'équipe derrière, au moins 3-4 voitures. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça biche grave. Là, on va mettre un peu d'eau chaude. On va mettre un peu d'eau chaude, des bouées et des jolies femmes. Ah, là, ça me plaît, là. Laisse-les faire des nanani, on fera des nananas. Viens, on s'arrête en Italie, on part un genre en ananas. Des fois, vaut mieux pas d'amis qu'un pote qui te met des bananas. Ouais. Gros, je suis pas là, là, hein. Là, je vais pas la lâcher. Trop de fautes dans mon entourage, y'a que quand je fais trop de fautes qu'ils vont m'encourager. Hein. Au fond, j'ai rien contre les rageux, mais j'avoue que c'est rare quand je fais des tourages. Hein. M'tu pack sur Insta, entre chaque gorgée, je fais des poses de 15 staff. Pour sauver le trophée, faut jouer sur plein de stats. J'ai fait du rap de faible et du rap de gangsta. Aïe, plus dangereux que 3 mecs instables dans un Cayenne.